Aujourd'hui, en technique, j'ai trouvé une machine qui fait des étiquettes, une étiqueteuse. Et j'ai fait des étiquettes I Love Top 6. Fait un peu de vandalisme, j'en ai collé un peu partout sur les bureaux des reps, sur les téléphones surtout. Comme ça, on va toujours penser au Top 6. Chris, c'est toujours aussi flou. Mais bon, hein, il n'y a pas de focus là-dessus. Mais c'est important, la chose que je voudrais vous encourager à faire, c'est si jamais ça vous tente de propager la bonne nouvelle du Top 6, ben vous le faites. Faites des étiquettes comme ça, faites des vidéos. Vous m'envoyez ça via radioénergie.com. On a même poussé l'audace à faire une étiquette sur le bureau de notre directeur général. Fait qu'à chaque fois qu'il va être en gros meeting à Montréal, il va se souvenir que sur sa porte, il love Top 6. C'est pas très clair. Mais Marie-Ève s'en est faite une spéciale. C'est la mienne qui est la plus belle! Ouais, donc vous aimez le Top 6, ben propagez la bonne nouvelle, écrivez-le partout. Vous pouvez même vous le faire tatouer dans le front.